時は失われ、時が流れた。女神エトロよ、安らかに眠れ。その思いは私が守ろう。終わりのない悲しみに沈む世界、生と死の境すらも曖昧な混沌に満ちた世界、ヴァルハラ、時から切り離された世界。失われた時の神殿で私は二度目の生を得る。
bonjour. Alors oui, on va dire les explications combat, mais deux secondes, je dis bonjour. Bon bah salut, c'est FF13-2, je comprends rien à ce qui se passe, mais j'espère que ça va aller. Oui, on va lire parce que là, au secours. Alors, les combats se déroulent en temps réel, incroyable, tout ça se passe comme dans la vraie vie. Mais les actions sont limitées par une jauge ATB qui se remplit progressivement. Oui, bien sûr, comme dans le 1. Cette jauge ATB est divisée en plusieurs segments, bien sûr. Et de commande, oui, et ça n'a pas changé. En plus, Lightning d'agir automatiquement en sélectionnant mon cul. La compétence lame de foudre a été sélectionnée. Ok. Bahamut du chaos. Ah bon, ok, d'accord. Très bien. Ah, si les PV de Lightning baissent dangereusement, utilisez les compétences de soin à bouclier du leur. Eh ben, lame de foudre, alors, lorsque vous affrontez plusieurs adversaires, vous devez sélectionner une cible, oui, bien sûr. Ici, il s'agit d'un adversaire unique. Il suffit donc d'appuyer à nouveau sur A. Continuez ensuite à sélectionner les commandes jusqu'à ce que vous terrassiez votre adversaire. Bonne chance. Piou piou piou. Ah, d'accord. Bahamut du chaos. Ils ont dû l'appeler Dark Bahamut. Ça aurait été encore plus subtil. Ah oui, le bouclier en plus, ça me buff. Pas mal ça. Ah. Ah, c'est bien fait. Hein. Moi j'ai très peu joué à celui-là. Hein. J'ai fait un peu le début et puis après, bon voilà. Enfin, Lia est pas conne, elle sait qu'elle a perdu des PV, du coup elle balance son bouclier d'Ulra. Après la musique est peut-être un peu trop enjouée. Ça manque de cœur et de... Ok. Ça manque de cœur hein, quand même. Après avoir joué à FF15 et FF7 Remake, on se dit merde. Des cœurs, c'est bien. Allez, Bahamut du chaos. Rentre dans ta chambre et mange ton goûter. Enfin, et range ta chambre aussi. Bahamut du chaos, quoi. Ah, je m'en remets pas, je suis désolé. Hein. Bahamut du chaos. C'est Dark Fufu du 16, quoi. Ah, enfin les grosses épées. Combat cinématique. Bon, c'est des QTE, hein. Calmez-vous. Ça, c'est un peu cool. Ça change. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si on les rate? Ah! Ah mais j'ai même pas coupé mon ventilo. Bougez pas. Désolé. Ouah, c'est Odin qui a tout encaissé. Heureusement qu'il est là. Très bien. Bon ça c'est la Soul Edge. Hein. Faut pas déconner. Hein. Bon, il est un peu stylé, mais c'est la soulette. J'aurais peut-être pas dû mettre les chiffres des dégâts pendant les sets, mais bon. C'est pour que tu montres que c'est du vrai gameplay qui prend vraiment des dégâts. C'est pas vraiment.
Par contre, va vraiment falloir m'expliquer qu'est-ce que fout Lightning là, pourquoi elle est là alors que, clairement, c'est pas le monde dans lequel elle était dans le 1. Va falloir m'expliquer. L'épée. Moi, je suis un mec de l'épée, moi. Par contre, j'aime bien son armure. Épée. Ce petit coup de pied. Window. Ok, donc déjà les gens qui ont des problèmes moteurs, ils peuvent pas jouer au jeu. C'est pas qu'on puisse désactiver les combats cinématiques. Oh oui. Oh là là, cette limite break. Ce limite break, je sais pas. Par contre, au niveau des visuels et des idées visuelles, c'est cool, hein, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'on serait pas en train de se faire domoriser? On va voir. Ah non, mais pas Kiku Dark Bahamut. Oh là là, ça suffit. Combien de fois faudra-t-il que je te tue? Oui, mais Light, qu'est-ce que tu fous là? Il est petit fou un moment dans l'image, c'est trop bizarre. Et ouais, va falloir qu'on m'explique qu'est-ce que tu fous là, Light, hein, parce que... Enfin... Claire. Fulguration. Il est où? Ah, il est en face. Ah non, il est derrière. Il y a du mal à savoir dans quel sens on était. Il y a toujours la jauge de choc. Bon, ça a pas l'air de monter, ça va être... Ah! Méga fission, ah non! Ah non! Ça va aller, merci!
Ah, du coup, là, avec ce... cette monture, là, c'est hâte. On n'a pas de bouclier et de buff, mais on a hâte. Donc c'est bien. C'est bien. Enfin, on va pas se mentir, c'est bien. Alors j'ai mis le jeu en facile vu qu'on a fait le premier en facile, y a pas de raison. 5 étoiles, butin rare plus 200, butin plus 200%, ok. Bien on a battu Kikudark Bahamut du 16. お前は手を出すな。代わりに頼みがある。セラを導いてくれ。私の妹だ。扉を越えていけ。あれが何か時を見る彼女から聞いているはずだ。ゲートか。でもなんで俺が。お前にしかできないからだ。Tu es l'élu, Léo. Ah merde. お守りだ。セラに渡してくれ。D'accord. Ce mug vient de se transformer en arbalète. 了解。射止めてみせる。Du coup, c'est une mug balette ou une arba mug? 話はついた。カイアス。Je connais.扉へ向かえ。時を超えるんだ。分かった。行け。させるか。オーディン。やれ。あれは。お前にかけよう、ノエル・クライス。時を超える矢となって、セラのもとへ飛んでくれ。私はもう。Sera o mamorenai kara. Mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Oh, c'est dingue ça. Ça faut nous expliquer tout de suite, hein, parce que. Moi je comprends pas. Après on sait, hein, Nomura il aime bien les trucs avec des univers parallèles et des univers alternatifs et plusieurs univers en même temps et au secours.時代は移り変わっていく。セラ、真実の記憶は
Pourquoi? C'est vrai qu'il n'a pas changé de vêtements depuis le 1. Très bien. Oui. Déjà oui, et qui les a designés? S'il vous plaît. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça, on voit ses hanches, quoi. Ah, c'est ni fait ni à faire. Ah mon dieu, heureusement ils lui ont fait un short. Ouais, ça m'a l'air bon les contrôles. Alors attendez, axe vertical. Attendez, axe vertical inversé. Mais inversé par rapport à quoi? Ouais non mais ça c'est bien. Oui. Le modifier bien sûr. Tac. Ok. Ah mon dieu, mais feu. Pourquoi ce design? Le dossier regroupe automatiquement toutes sortes d'informations, il est accessible via le menu principal. Si vous n'avez pas joué à Final Fantasy XIII, bien sûr. Non mais c'est bon. On a joué à FF13. Voilà, il y a la police du... C'est la police du bon goût. Ils viennent pour arrêter Serra, parce que là, visiblement, il y a un souci. Hein. Non, mais c'est un scandale, en vrai. Enfin, déjà, d'où ils viennent ces vêtements, et pourquoi c'est comme ça, au secours, quoi. Déjà que, bon, sa tenue d'écolière, c'était un petit peu limite, mais on connaît pas son background, on se dit peut-être qu'elle va à l'école. Mais là, non. Bon, manifestement, c'est la baston dehors. Elle a pas l'air d'être pressée. Mais c'est quoi ces fringues? Oh là là, un rêve étrange, des vêtements qui sortent de nulle part, que se passe-t-il? Je rêve encore? Oui. On a le libre choix. Ce saut de cabris encore. Cette course de jeune fille japonaise. Libre choix, ok. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout a changé. Est-ce encore un rêve? Oui, je pense que c'est le plus logique. Par contre, ça fout un peu la gerbe, l'image comme ça. J'aime autant vous le dire.
Elle a pas dit Gado, elle a dit les amis. D'accord. Très bien. Non mais visez par contre, hein. S'il vous plaît. Mais visez. Mais comment ça, elle est morte? Mais dis-lui que c'est un cadeau de sa sœur. Mais dis-lui que l'arc c'est un cadeau de sa sœur, rassure-la. Bon, il y a Nekfeu et putain, Meio Bento, c'est très bien. Mais on est d'accord que c'était des sbires de Lightning dans la simulation du début. J'ai vraiment fait que 3 étoiles alors que j'ai juste attaqué 2 fois sur les 2 premiers mobs du jeu. Vraiment. Au secours! Terrasser tous les ennemis. Il a un petit côté Sora quand même, Noël. Noël, putain. Ah, j'ai envie de dire, c'est pas un cadeau. Les stratégies. Oui. C'est beau, Ah non, c'est bon. Yin Yang, attaque en défenseur, double rempart, ouais, d'accord, ok. Bon, pour l'instant, on va rester en attaquant. Même si j'avoue, un petit choc brûlant, donc ça a l'air de se même. Par contre, j'ai envie de dire que le layout, enfin l'interface du jeu, j'ai l'impression qu'elle prend plus de place que dans FF13. C'est moins discret. J'aurais évidemment analysé absolument tous les pixels du jeu. Hein. Trois étoiles, mais nique. Ou alors parce que je joue en facile ces 3 étoiles. Attendez, mais... Ah, mais c'est un arc, mais en même temps c'est une épée, ça vient. Du coup, pourquoi elle s'en sert comme une épée? Pourquoi elle s'en sert comme une arbalète? J'ai rien dit. Elle fait les deux. Bah comme Light, au final, elle faisait les deux. Hein. Si c'est le thème de combat, là, c'est intéressant, ouais. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est intéressant. Par contre, sa tenue, par contre, ça c'est n'importe quoi. Bye.
Et clairement, il a l'air de mieux se démerder que nous. Joel Gallagher. Il a l'air joyeux, Noël. Ah! ちょっと休んだら起きられるよ。 D'où tu touches les Mog? Ah voilà. Oui, comment? いい席に吹っ飛ばされて、ここにいる。あの隕石があなたを連れてきたの？らしいけど、よく覚えてないんだ。何が起こったか、一緒に確かめよう。うん。クポ？夢で見た場所。バルハラ。お姉ちゃんは そこで生きている。出会ったばかりのノエルの言葉を思わず信じそうになった。そんなことありえないのに、今でもはっきり思い出せる。スノーとの結婚を祝福してくれたお姉ちゃんの笑顔。でもそれは幻。 クリスタルの眠りの中で、私だけが見た幻。お姉ちゃんはもういない。3年前、崩れかけた黒雲を守る犠牲になった。お姉ちゃんはクリスタルの柱になって、今でも黒雲を支えてる。それが現実なのに。 Comment ça? Ah par contre, moi un jour je vais aller au Japon et je vais trouver Tetsuya Nomura et on va parler. On va parler scénario et c'est quoi cette musique déjà? Pourquoi c'est aussi fort? On va parler scénario et je pense que je vais lui dire que c'est bien de faire des scénarios élaborés, mais ce serait bien que ça tienne pas sur oui, j'ai foi en toi. Ou oui, je l'ai vu en rêve. Ça, c'est bien d'avoir des choses concrètes, quoi. Pas des persos juste qui ont lu le scénario ou qu'on voilà, ou qui sont omniscients. Ça suffit. Bon, grosse basse, hein, cela dit.
Neobodoum, ok. 03 AC. C'est-à-dire quoi, 3 ans après le cataclysme? 3 ans après que Cocoon et tout ça... D'ailleurs, on voit quelque part ça? Oui, d'accord. Donc là... Donc là, vous nous dites... Ça, c'est le pilier de cristal, c'est Lightning. Sauf que clairement, on voit toujours les deux visages, donc un en haut et un peu à droite, de Vanille et Feng. Donc, pourquoi tout le monde a oublié Et même si elle, elle se souvient que de tout ça, pourquoi les autres non? Et même si elle se souvient que Lightning ne s'est pas sacrifié, pourquoi, pourquoi Lightning est toujours au Valhalla quand même, alors qu'elle s'est pas sacrifiée? Je comprends rien. Mais c'est pas grave. Parce que Nomura. Wesh. D'où viens-tu? Oui, tu vas rencontrer avec Ning. Super cadrage. おとぎ話に出てくる女神みたいだ。あ、夢と同じ。本当にあったってこと? OK. Hey, gros. Là, on a Jmog. D'accord? Foutez-vous dire oui? Oui. Alors, le Jmog apparaît lorsque des monstres se matérialisent à proximité. Sa couleur évolue au fil du temps, de vert à rouge, indique l'état de vos adversaires. L'ennemi est encore immobile et vulnérable en vert. Ok, si vous agissez à temps, vous pourrez l'attaquer par surprise et commencer le combat avec un avantage. Jaune, l'ennemi se déplace et risque de vous toucher. Ok, oui, d'accord. Rouge, le temps est écoulé, le combat commence automatiquement. D'accord, ok. Petit solo de... violon électrique. Vous pouvez attaquer les ennemis présents dans le périmètre de la... pour fuir le combat. Ouais, salut hein. Amuse-toi bien Noël hein. C'est cadeau. Trois potions. Ok, donc lui il vient du futur. C'est Trunks. Putain, c'est Trunks du futur. Ah ouais, mais voilà, Nomura il est... c'est un fan de DBZ. Je vais quand même y aller parce qu'à un moment donné on va arriver contre les boss, on sera niveau 1 et on va pleurer. Ah oui, donc effectivement, quand tu fais ça, t'as un bonus, genre on est en hâte quoi. Effectivement, c'est du bonus. Ce Mog. Oui, oui, deux secondes. Deux secondes, il y a un objet dans, dans l'eau. Je peux pas y aller. Paf. Le plan de Neobodoum. Chocobo. Portail. Trésor ouvert. Le mob. Ok.
Mais la musique n'en peut plus, hein. Yo. C'est Trunks. En fait, tu l'as un peu défié du regard quand même. Là, c'est un choix pour Noël. Regarde, il cherche la merde. Là, c'est Snow, le boss. Il dit là, je suis pas là pour chercher des emmerdes. Il arrête pas. C'est limite s'il l'a pas poussé. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Il est insupportable déjà. C'est pas parce que t'es Trunks du futur que faut te la péter. Putain, mais on l'a même pas mis en choc, je suis dégoûté. Okay. Passons à la magie. Ah mais non, choc volant, c'est mieux, ouais. Lunaire. Par contre, au niveau de la sauvegarde, comment ça se passe? Il y a une sauvegarde automatique, je crois, mais... Est-ce qu'on peut, genre, si je fais ça... Je voulais sauvegarder, mais c'est pas grave. Hop là. Genre, il a touché personne, et c'est lui qui en... Ça, c'est quand on vient du futur, ça. Donc si je fais menu... Les costumes... Oui. Ah, on peut sauvegarder là, ok, d'accord. On va avancer encore un peu et après on sauvegarde. Non mais la musique n'en peut plus. Tu voles, hein. La musique n'a aucun sens. Ils sont beaucoup trop bons joués. Un coffre là-bas, pas de coffre. Voilà. La drogue. Tu peux arrêter de me gêner, Noël Flantier, merci. De Phoenix. Salut. Je suis désolé, je t'entends pas avec cette musique complètement folle. Ah oui, une compression temporelle, comme dans Final Fantasy VIII. Et d'où vient le Mog, ouais. Pourquoi tu veux démonter un Mog? Oh.
Ouais. Par contre, les décors sont toujours aussi jolis. Comment ça? Bon bah baston alors. Le rôle de défenseur. Rappelez-vous, changer de stratégie en fonction de chaque situation est souvent la clé de la victoire. Cet ennemi est Gog Magog, bien sûr, est capable d'effectuer un puissant balayage de son énorme main, sa grosse patoune. Lorsque vous le voyez préparer cette attaque, appuyez sur LB pour afficher les doubles remparts, oui. Stratégie permet de réduire grandement les dégâts et mais aussi par le biais d'un bonus de rôle de résistance physique et magique. Chaque rôle. Oui, d'accord. Donc, quand il lève sa grosse maman, on fait double rempart. Vas-y. C'est pas du tout ça. T'es de ma gueule. Merde! C'est bon! Il stresse à lever sa main tout le temps. Ravageur pour la jauge de chaud. Ça va, le changement de stratégie est plus rapide que dans le premier. Allez, Sarabada. Un fragment de Gog Alpha, très bien. Vous recevez parfois des éléments spéciaux en résolvant des anomalies de la ligne du temps. Les fragments... Pardon. Ce sont des éclats de mémoire figés dans le temps. Des souvenirs cristallisés qui renferment un savoir précieux ou des informations sur l'histoire. Il existe 160 fragments au total, au secours. Pour ceux qui sont actuellement en votre possession, vous pouvez utiliser voilà, triangle et les fragments. Okay. Alors, plus tard. Ok, bah écoutez les gens, on va se quitter là. Je vous fais des bisous. J'ai rien compris, j'espère que ça va aller. Plus tard. Moi non plus.